C'est un auteur-compositeur-interprète mondialement connu et aimé. Salvatore Adamo nous revient avec un nouvel album, Le Bal des gens bien. Et ces gens bien, Salvatore, ce sont ceux de la nouvelle génération et puis celles d'avant qui chantent avec vous sur ce disque. Oui, c'est un disque de partage, d'amitié. J'ai voulu un peu montrer à quelle famille musicale je pensais appartenir. Ouais, mais la famille d'Olivia Ruiz, la famille des Benabar, des Laurent Voulzy, des Souchon. En tout cas, des artistes plein de talents et des générosités, excusez-moi, que je remercie une fois de plus vraiment de m'avoir apporté beaucoup de leur sensibilité dans cet album. Ouais. Et ils ont voulu vous dire, Salvatore, qu'ils vous aiment depuis si longtemps, que ces chansons les ont inspirés, que finalement ils vous doivent beaucoup. Je ne sais pas. L'idée au départ n'était pas de moi parce que je n'aurais pas osé le proposer dans la mesure où c'est quand même ça aurait été une espèce d'auto-célébration. Mais les gens qui s'en sont occupés pour moi ont bien fait les choses et ont contacté les personnes que j'écoutais déjà chez moi. Donc je connaissais leur univers musical et je m'y retrouvais. On va voir des images de l'enregistrement. Oui. Ça a été des rencontres, donc, hein, avec parfois des choses étonnantes. Ils ont choisi les chansons qu'ils aimaient de vous. Hein. Oh, je les ai un peu guidés. Et d'ailleurs, l'arrangeur Fabrice Ravel-Chapuis a trouvé aussi des petites touches de l'univers musical de mes invités. Donc il n'y avait pas de dépaysement. Ouais. Là, on voit Benabar, alors évidemment, si vous permettez, monsieur. Mais il y avait des chansons pour tout le monde, là, parce que ce sont vos standards qu'on retrouve. Hein. Oui, c'est-à-dire, en 45 ans, j'ai écrit des chansons diverses, comme on dit. Donc, il y avait des chansons humoristiques, et puis il y en avait d'autres plus nostalgiques, plus poétiques. Ouais. Et mes invités ont pu choisir, oui. Celle-là, par exemple, écoutez. Mais là, j'estimais que Calogero avait la voix assez suggestive et profonde pour chanter avec moi cette chanson qui malheureusement est toujours d'actualité. Oui. Donc c'est Calogero, il a fait des très belles chansons, il a aussi évoqué des choses dramatiques comme Tiananmen et tout ça. Ouais. Et des chansons qui nous entraînent dans le bonheur, non pas du passé, du présent, parce qu'on a l'impression que ces chansons sonnent comme si elles avaient été composées hier. Mais ça, encore une fois, c'est le mérite de l'arrangeur et du réalisateur, Fabrice Ravel-Chapuis et Alain Cluzeau. Ce sont eux qui ont, tout en gardant quand même les principaux contrechamps des versions originales, ils l'ont un peu élagué et donné une modernité. Oui. Ce sont des chanteurs que vous aimez, vous, Salvatore, évidemment. Vous avez choisi dont les chanteurs. Donc j'avais le disque, oui, hein, par exemple. Parce qu'il y a Isabelle Boulay, et puis il y a Cali, oui. Cali aussi, que j'écoute régulièrement. Quel casting! Parce que tous les chanteurs rêveraient d'un casting comme vous. Vous les avez tous rassemblés, ils ont dit tous oui. Mais j'ai l'impression que la façon dont on leur a présenté, ils ont compris que c'était pas un coup de marketing, que c'était vraiment une envie véritable que j'avais de partager ce moment d'émotion avec eux. Ouais, et par exemple. Et elle. Et Olivia Ruiz. Ce Georges, on va voir un extrait du clip. Parce que ce Georges, c'est Georges Clounet. Alors, oui. Évidemment, vous êtes très jaloux de lui, mais je le comprends, Salvatore. Hein? Ben oui. Oui. Ma femme qui regarde Urgence. Non, mais ça, c'est venu, en fait, d'un couple d'amis qui était venu me voir dans la loge et dont la femme m'a dit que sa maison était tapissée de mes chansons. Et j'ai vu la tête du mari, donc j'ai extrapolé. Ouais, regardez, ce genre. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bipe. Oh là là, oui, ses yeux de braise et sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise. Oui, je fonds en pamoison, je soupire son nom. Et elle achète des tas de revues pour y découper ses photos. Sur tous nos murs, l'air détendu, on voit sourire le beau cabot. Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne comme ça? Parce que là, une chanson qui fait chanter tout le monde en spectacle. Hein. Oh, je pense que c'est le fait qu'on ne se prenne pas au sérieux, surtout. Ouais. Ouais. Et la gouaille d'Olivia, vraiment, elle y est pour beaucoup. Ouais. Parce que dans votre spectacle, il y a toujours eu des fleurs, hein. Il y a toujours eu des roses qui sont roses et qu'on oublie peut-être qu'elles étaient roses. Et il y a eu le néon, il y a des moments d'intense émotion. Et puis il y a des chansons qui donnent envie de partager, de chanter, de se lever ensemble.
Mais j'ai cette chance d'avoir un public fidèle et d'avoir avec eux une communion qui traverse un peu le temps. Et j'évoque pour eux les choses qui m'ont touché, amusé, choqué. Et apparemment, il y a une espèce de complicité qui s'établit. Et moi, c'est mon moteur, la scène. C'est un cliché, mais sur scène, on a l'artiste a l'impression d'être 20 cm au-dessus du sol. Et voilà, tant que je pourrai chanter, je serai là. Quand on ne voudra plus de moi, il faudra me le faire comprendre. Il y a une chanson de vous qui dit « Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour ». On a l'impression que c'est aussi votre histoire qui a commencé avec le public et quelques mots d'amour. Mais vous évoquez « C'est ma vie », c'est justement une chanson dans laquelle je m'adresse au public, où je dis au départ, c'était vraiment le coup de foudre. Et puis, il y a eu des moments d'incompréhension, peut-être parce que dès les années début 70, je me suis mis à vouloir toucher à des thèmes plus graves et on ne reconnaissait plus le chanteur Fleur Bleue. Ouais, le tendre jardinier de l'amour, comme disait Jacques Brel. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, ça a pris quelques années pour dissiper ce malentendu. Et là, je peux dire que je pense qu'on a compris les facettes de ma personnalité. J'ai pu sortir du tiroir des années 60. Où j'aime bien les chansons des années 60, j'aime bien leur candeur, les bons sentiments. Mais aujourd'hui, j'ai mon âge et je ne peux pas chanter toute ma vie des chansons naïves. Oui. Donc, les chansons que je chante aujourd'hui sont des chansons d'un homme de 65 ans. Est-ce que quelque part, je crois que Julien Gréco qui dit les chansons d'amour sont des chansons de révolte. Et quelque part, les deux sont liés. C'est la vie que vous chantez, Salvatore, qui nous touche. En tout cas, c'est la vie qui est mon matériau principal. Ouais. C'est de la vie que je tire toutes mes chansons. J'observe, voilà, je lis. Je lis et puis je regarde la télé, les nouvelles. Et c'est difficile de rester insensible à tout ce qui se passe. Donc c'est normal que les chansons en soient imprégnées. Ouais. Mais encore une fois, quand je peux écrire une chanson d'amour, une vraie, je suis heureux. Ouais. Et le titre du disque, c'est le bal des gens bien. Ça vous ressemble, ça, les gens bien? Merci, c'est gentil. Non. Mais je n'ai invité que des gens bien dans l'album du duo. Il y a même un infréquentable, Benabar. Merci Salvatore Adamo. L'album est un événement de duo, le bal des gens bien. Merci Salvatore Adamo d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.